L'aquarium de Vienne est hébergé dans une ancienne tour de défense anti-aérienne construite par les nazis dans les années 40 et qui est exploitée depuis plusieurs décennies sous des formes variées. Le rez-de-chaussée propose la traversée du tunnel de l'Atlantique de 10 mètres de long. Un tube traverse un bassin de 500 ml qui héberge des poissons de l'Atlantique. À ce niveau, se trouvent aussi quelques bacs d'eau douce sur la faune européenne. Au premier étage, se trouve un grand terrarium avec les reptiles, des serpents géants, des lézards, des insectes étranges et des mygales. À l'étage supérieur, il y a des bacs d'eau douce, plus ou moins vastes, mais très soignées. C'est depuis cet étage que l'on a accès aux deux appentis qui sont répartis de part et d'autre du bâtiment. Dans la maison des tropiques, Croquis Park, les oiseaux et des singes sont en liberté, les crocodiles sont dans leur bassin. Le décor tropical, les chutes d'eau, les passerelles et les ponts suspendus nous permettent de rejoindre les niveaux supérieurs.
À partir du quatrième étage, il retourne vers les bacs marins tropicaux. Le grand bac de 300 ml permet à des requins, des raies et de nombreuses espèces d'évoluer tranquillement. Des aquariums marins plus modestes, mais très soignés et raffinés, ce succès présente de nombreuses espèces rares de poissons et de coraux. Au dixième étage se trouve un grand bac de 150 ml. Seule une tour fortifiée peut supporter un tel poids dans ses étages supérieurs. Yeah.
Une des autres attractions est la vue panoramique depuis la terrasse du toit, avec les parois transparentes qui donnent l'impression d'être dans le vide. Dans la cage d'escalier, en grande partie conservée dans son état original, entre le 9e et le 10e étage, l'exposition, ce souvenir, est consacrée à la sombre histoire de la tour de DCA.